médicaments qui viennent à manquer. Les pharmaciens font face à des pénuries inédites. Alors comment est-on impacté ici sur la Côte d'Azur? On en parle avec mon invité Cyril Colombani. Bonsoir, vous êtes président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. D'abord, de quels médicaments manque-t-on aujourd'hui et quels problèmes cela pose-t-il? Alors, le nombre de médicaments qui manquent, on manque un petit peu de tout. Pour moi, le plus dangereux et le plus critique aujourd'hui, ce sont les médicaments, les formes pédiatriques. Si on prend un antibiotique de base utilisé pour tous les gens qui ont des enfants, l'amoxicilline. Aujourd'hui, on n'a plus aucune forme d'amoxicilline pédiatrique. On arrive à trouver parfois un, deux dosages en quantité infime. Donc on se retrouve en grande difficulté, que ce soit en garde, que ce soit en journée, quand on a des parents qui viennent avec des prescriptions. On est obligé de déranger les médecins, d'essayer de trouver des alternatives thérapeutiques, de faire du bricolage. Carrément, quand on arrive à joindre personne, ce qui a été mon cas, samedi soir, j'étais de garde, une sortie d'hospitalisation de l'hôpital Princesse Grasse, impossible de joindre le médecin, les urgences étaient débordées. Il a fallu prendre un dosage adulte, heureusement c'est un médicament qui peut se dissoudre dans l'eau, et d'essayer de trouver une façon pour le dissoudre correctement, pour le donner à l'enfant. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, comment s'est-il installé? Il s'aggrave d'année en année? Alors, ça s'aggrave. Depuis le début d'année, on considère que le nombre de ruptures a doublé. Une étude montrait que ce nombre de ruptures, il y a 10 ans, était de 50 à 60 molécules de mémoire. Aujourd'hui, on est de façon tournante, hein, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais on est monté jusqu'à plus de 2000 molécules qui étaient manquantes. Et le souci, c'est que ces ruptures-là vont avoir un impact. Alors, un impact immédiat, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure sur un antibiotique pour enfants, mais ça a été le cas dans certaines pharmacies sur du Doliprane. Votre enfant a de la fièvre, a 42 fièvres, vous devez faire 2, 3, 4 pharmacies pour trouver du Doliprane pédiatrique. C'est le cas pour des patients qui sont atteints de BPCO, qui ont besoin de certains produits pour pouvoir respirer correctement. Ces produits sont délivrés uniquement par le laboratoire, en quantité totalement insuffisante par rapport à nos besoins. On en vient à avoir des listes d'attente pour un produit qui doit être pris de façon quotidienne. Alors, quelles sont les causes de ces pénuries et quelles pourraient être les solutions, selon vous? Les causes, il faut voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui est mondial, qui est globalisé. La France a la chance d'avoir le médicament le moins cher d'Europe. Vous pouvez aller faire le tour, nous ne sommes pas très loin de l'Italie. Beaucoup d'Italiens viennent chercher des médicaments en France parce que le prix unitaire du médicament est beaucoup plus faible en France qu'en Italie. C'est le cas sur les autres pays d'Europe. La demande mondiale a énormément augmenté. On se retrouve donc avec des producteurs de médicaments qui vont privilégier d'autres circuits d'approvisionnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certains acteurs préfèrent vendre des médicaments qui normalement devraient être délivrés en France, les vendre dans d'autres pays européens parce qu'il y a une marge plus importante à se faire. Le troisième point, qui est à mon sens un des points qui va être le plus long à régler, c'est que l'Europe a totalement délaissé la production de médicaments et de principes actifs. Aujourd'hui, je vous parlais du paracétamol. Le paracétamol est produit en Chine, en Inde. L'Europe a arrêté de produire du médicament parce qu'il y avait un coût environnemental que l'on n'est peut-être pas prêt à payer. Le coût de production du médicament, on cherche d'avoir le médicament le moins cher possible, et ce n'est pas avec nos normes sociales et environnementales en Europe que l'on arrive à avoir le médicament le moins cher possible. Aujourd'hui, on se retrouve à un moment où nous allons devoir collectivement, au niveau européen, mais aussi au niveau français, accepter de faire des choix. On ne peut plus avoir le médicament le moins cher du monde, ou d'Europe du moins, et avoir la quantité nécessaire pour la population.